sur ces deux dernières minutes. Ah, c'est une belle nouvelle et quelque part aussi pour l'équipe, pour l'équipe de France là, qui a fait le grand chelem. On a un peu du mal à se remettre de nouvelles notions, mais il faut passer au C2. Et oui, la finale des C2 avec 10 bateaux au départ. Et le premier à s'élancer, les Slovaques, Stéphane Grega et Jan Sutek. Ils sont partout. First Federation, Main Category, from Slovakia. Stéphane Grega et Jan Sutek, ils étaient donc 10e des qualifs. Ouais, ils ne sont pas sortis très très bien des moutons là-haut. Ils ont pris un petit peu les rouleaux dans les... Les premières difficultés là, il faut être opérationnel là, immédiatement parce que ce qui suit le départ, eh bien, c'est du costaud, c'est du lourd. Le premier temps d'intermédiation pour Tite Grega. Les abus prochains tout petit peu, mais ils sont bien en ligne. Ils sont bien en ligne, 35-57 au temps intermédiaire. Stéphane Grega et Jan Sutek, les Slovaques. Alors on va parler un peu des forces en présence hein, dans cette catégorie C2. On va retrouver les Français, trois bateaux français avec les Français Guillaumet, avec Cordier, Barbe et Poitiers Alzheimer, champion du monde en classique. Et puis on va se payer le prochain bateau avec Yaroslav Kuzik et Vladimir Valas, qui sont des anciens champions du monde à sauver du fond de l'œil pour ces garçons. Et il n'y a que du haut, hein, il n'y a que du haut, c'est normal, on est en finale. Des championnats du monde, ils ont terminé en 1-16-31. Grega Sutek, time for Grega Sutek, Slovakia. 1:16 from 3-1. Next player come from Slovakia. Yaroslav Kuzik, Vladimir Valas, voilà. Ils ont été champions du monde. Ils sont un peu sur leur fin de carrière, mais il faut s'en méfier, ils ont l'expérience. Yaroslav Kuzik, Vladimir Valas. Oui, c'est championnat du monde de la flagne là, cette dernière journée, comme image de tout ce qu'on a vécu depuis le début de la semaine, des jours formidables de l'ambiance, des courses de feu. Et là aujourd'hui, c'est vraiment la apothéose avec ces finales de sprint. On ira bien sûr en début d'après-midi les courses de couple de ce sprint. Ah, donc on a dit tout à l'heure, les capacités d'adaptation ont été importantes sur ce sprint, c'est pas le même niveau de tir. Et voilà ce qu'ils ont donné en jeu, ils ont de l'expérience. On va voir ce qu'ils nous donnent sur ce sprint. Ah oui, c'est bien sorti, hein, c'est bien sorti de rapide mouton là. Ils sont tout à fait dans le même cadence de production tous les deux. Ils sont vraiment parfaitement coordonnés, synchronisés. Alors là, c'est une course contre ça, on n'a pas le temps de se parler, ça va trop vite. Ah oui, ils sont en avant dans la suite, ils ont mis un petit peu là, devant la goulette, une grosse photo pour traîner un peu le bateau sur l'arrière, là, mais ils sont toujours en avance dans la suite. Une seconde 24 d'avance pour Yaroslav Kuzik et Vladimir Valas. Donc le deuxième bateau slovaque, il y en aura trois hein, dans cette finale, comme il y aura trois bateaux français, deux bateaux tchèques, un bateau allemand. Il y a du lourd, c'est la chance qui s'en parlait la plus au niveau des Universités, toujours présent dans les finales. Une
24 en avance pour Yaroslav Krupčík, Vladimir Vala. On est à une 12 de course, on est en passé une 16-31. Il devrait normalement passer devant l'Orphée Patrouille. 46, ils ont faibli sur la fin, les anciens là. Yaroslav Krupčík et Vladimir Vala, the second place for Krupčík Vala with 1 minute 17 seconds, 0.46. Next competitor comes from Czech Republic, Lukas Tomek, Michal Ramek. Allez, ils sont déjà dans... Non, je ne les vois pas, je ne les vois pas. Encore au départ, là-bas. Ils sont déjà du départ, là. Allez, ils sont. Hein. Les cadences de départ sont de 2 minutes pour ces finales. Puisqu'on parlait des garçons à surveiller, on va surveiller également l'équipage Jan Stasny, André Jorolenk, un nouvel équipage, Rolenk, comme on l'a vu sur le podium de la course classique, et Stasny qui a gagné, mais en V1. Il a encore la caisse, c'est le garçon, c'est un beau bébé sur le podium lors de la course master. Et c'est parti pour Lukas Tomek, Michal Ramek. Alors on peut voir là, en ces deux, que la trajectoire dans la rapide de l'étang est légèrement différente des courses individuelles. Il y a plus d'inertie dans le bateau au plus volumineux. Ah, une touche très très forte là avec un déséquilibre en rive droite, du côté droit pour les athlètes. Oui, les Tchèques là qui nous prennent une trace un peu surprenante, hein, parce que sur nous, ils avaient fait vraiment une super trace, ils étaient bien dans l'axe, ils propulsent très fort, ils avaient beaucoup d'avance. Et là ils ont fait un gros talon, mais ils ont quand même 2 secondes 68 d'avance, hein, donc c'est dommage pour les Tchèques là qui ont perdu beaucoup de temps dans le passage de la boulette. Si je le répète, mais plus du tout une petite boulette, c'est un gros rouleau là même en ces deux, on serait bien scotché là. Et c'est dommage pour les Tchèques là qui avaient fait vraiment un autre parcours formidable. Ils devraient quand même prendre la tête de la course, mais ils sont bien, ils ont perdu quelque chose. Ils sont bien en bas là, ils sont bien là, c'est de la belle navigation, ça pioche dur là, la rivetation. 14-36, c'est la première place. Ils ont gardé leurs 2 secondes d'avance. C'est la plus grosse touchette qu'on a vue dans la boulette. Hein, ah oui, depuis le plus gros bruit de la semaine. On pourra leur remettre le prix à Lukas Tomek et Michal Ramek. En tous les cas, ils prennent la première place et avec 2 secondes d'avance. Donc un joli run pour les Tchèques. C'est le new leader, Lukas Tomek, Michal Ramek from Czech Republic. 1 minute 14 seconds point. 3-6. Next competitor, they come from Slovakia. Peter Soska, Matus Kulart, un bateau de cas d'expérience. Soska, on le retrouve également avec son frangin dans les courses de slalom, les Soska. Donc il y a du lourd et des garçons habitués au C2. Peter Soska, Matus Kulart, au départ, ils sont même partis. Ah, Peter Soska, Matus Kulart. Ils sont partis, ils sont même bien partis, parfaitement synchronisés les deux équipiers. Il passe côté de la gauche à la sortie des moutons, mais c'est certainement un choix judicieux en C2 de rester dans l'allure un petit peu de travers quand même là, de l'écouter avant et dans l'obligation d'appeler un petit peu, de tirer son avant vers la gauche. Il passe à la gauche là, ils n'ont pas fait l'erreur de l'équipage précédent pour la boulette. On attend trop loin intermédiaire, une seconde de retard. Ils étaient vraiment trop extérieurs là sur le début au mouton, on les a mis un peu en travers. Là ils sont bien relancés dans leur course, là ils sont allumés dans leur projet de course, ils sont bien. Ils sont puissants, ils peuvent peut-être remonter un petit peu le handicap dans la partie de course. C'est vraiment le truc qui doit avoir quelques regrets là, parce qu'ils avaient fait un autre parcours formidable et là je pense qu'ils vont garder la tête de la course. Ouais, ils vont la garder, hein, une douche de retard sur la dure, hein, même si on a mis 10 moteurs entre les deux. Donc quand même le faire avancer le bateau, Peter Soska et Matus Kulart qui termine à 1h14, je crois, le sous. Oui, une 15h45 et la deuxième place du classement provisoire pour Peter Soska et Matus Kulart. That's second place pour Peter Soska, Matus Kulart, Slovakia with 1 minute 15 seconds. 0.45, next competitor from Czech Republic, Jan Dral, Michal Kuk. Alors Dral Kuk, ils étaient sixième des qualifs, les Tchèques qui sont au départ maintenant, c'est simple, il va falloir venir les chercher quand même, hein, 1.14.36, c'est sûr, on peut avoir des regrets avec ce passage à la boulette pour les Tchèques, mais en dehors de cette erreur, ils sont allés très très vite, ils ont pu faire
glisser leur bateau jusqu'au bout. Une 14-36, un temps intéressant qu'il va falloir aller chercher. Et on va surveiller cela avec nos compatriotes Yann Dahl et Mitchell Cook. Ils sont en course. Ils étaient en fréquence toute la pub au départ. Ils ont temporisé un petit peu. À mon avis, ils ont fait un passage tout à fait excellent. Du parcours, à sa risque d'agir, à l'extrême option de passer tout le reste du mec, à ses revues quand même, là il va passer à tout le flash quand même, mais c'est bien, c'est un temps certainement intéressant. Oui, c'est vraiment surprenant que c'est ça trajectoire pour les Tchèques, parce que là encore ça va être très vite pour la partie au-dessus de la boulette, dans la boulette, on a encore pris un gros tampon, 8 secondes de retard pour l'équipage, plus grave, les Tchèques. Il est bien arrière chargé sur cette boulette. En fait, c'est ça, quand on passe à droite, de la boulette en part de l'eau, et c'est le précieux centième qui fait vraiment 83 centièmes de retard. Ce n'est pas du tout, mais si on continue comme ça, avec toute confiance, qui sont vraiment derrière. On est dans les boulettes, on a plus de partage entre deux, c'est pas directement le mauvais choix. Ça me reste connu quand même, puisqu'ils ont été un petit peu bloqués. Ils sont troisièmes en 1573. The third place for Yann Dahl, Mitchell Cook, with Lannett, 15.75. Allez, on va travailler un petit peu autour du bazar. Oh, vous êtes bien présents hein, ce dimanche matin. Vous nous avez régalé depuis le début de la matinée. On va continuer sur le même timing, sur la même puissance que vous mettez sur le bord de cette rivière, l'Isère, magnifique rivière forcée. Championnat du monde de la Plagne avec le premier des trois bateaux français de cette finale. Il s'agit de Gaëtan et Damien Fouillet. Ils sont partis les frangins. Les frangins sont maintenant à l'approche des rouleaux. Puis la principale difficulté là-haut de la passage parfaitement visible pour les frangins lyonnais. Il n'y a pas de problème, il s'est bien mis dans le projecteur. Allez, il va plus fort. Oh, c'est joli ce que font les frères Lyonnais. C'est parfaitement réussi. Il se sert de la boulette. Ça va vite à récupérer, à donner un petit effort pour mettre le bateau dans la bonne projection. Voilà, le frère Lyonnais est en train de. Ils ont 13 centaines de retard seulement, c'est bien ce qu'ils font là, ils vont être un peu collés là. Ils sont relancés, Pierre Brun a dû leur donner du coup, ils sont entraînés avec Laurent Lombard là sur le plateau ensemble. Cette magnifique rivière régulée par EDF, le partenaire de la FLCK. Là, ils sont dans le rapide déjà au niveau des boulots. Un petit peu de blocage peut-être, mais ça ne fait pas trop vite. Là, il va falloir essayer de contrer cela. Ils sont vraiment, il y a une navigation très très précise, toujours tendue, juste aux fortes difficultés pour gagner de l'énergie de la vitesse. En tout cas, ils sont déjà au niveau de la boulette. On passe à la boulette aussi. Un petit peu de blocage quand même. Ils ont mieux négocié que leur coéquipier, mais ils sont en retard. 97 centièmes de retard avec les Tchèques là qui continuent à. Je ne sais pas comment dire là, qui continuent à garder cette trace là qui semble pourtant moins rapide là.
à 35 mètres pile, ça ne pardonne pas la goulette. Là, ils ont une seconde de retard sur l'équipage français pour le moment. On a vu Oscar Gatto prendre cette option et être en avant sur l'intermédiaire. On est en avant avec Yannick Tassini, donc qui continue à aller jusqu'au bout pour avoir mieux que les billets pour prendre la première place et pour monter sur la première place. C'est mieux que Oscar Gatto. Je rappelle le paragraphe, c'est une espèce de pression, attention, ils sont en 1-14, 1-15, ils sont 4e, 1-15, 64, complète, André Rolenk, Yann Tassini, 1 minute 15, seconde, 0.64. Ok, il nous reste 3 bateaux au départ, donc 2 bateaux français et un allemand. Les Français et les Frangins Guyonnais sont à la première place du classement provisoire en 1-13-97. Je vais vous demander d'accueillir comme il se doit sur ce bassin le prochain bateau. Un bateau composé de Michael Cordier et Thomas, vice-champion du monde 2011, champion du monde par équipe. Les Français, Michael Cordier, Thomas, 3e des qualifs. Le public ici de la Plagne, c'est à vous de jouer. Cordier et Bar qui maintenant a fait un départ plus durant. Allez, la là-haut, parfaitement négocié, le second parfaitement négocié. C'est du très beau bateau de Cordier et Bar. Allez, relance maintenant. À son avis, sur le bateau qui passe à gauche de la boulette. Voilà. Une seconde de retard, ils sont un petit peu extérieurs, on les voit qui a du mal à tenir, vraiment sans prévision, la famille, ils sont à nouveau en course, ils sont à nouveau ensemble. Et je vois encore une petite sortie du côté des Français, il va falloir se battre pour aller rechercher le vent. Ça va produire un ancrage de 97, par contre pour le problème qui est possible, un 8-48 d'écart entre les Guyonnais et les bateaux 3e, Victor Costa, on a tous ce qu'il a, et on sent la lumière. Et l'arrivée pour Lucas Cordier et Tom Marre, nous avons une seconde de retard à l'intermédiaire, on est tous sur les derniers mètres, 1-15-14 essais. La 3e place du classement provisoire, on va les applaudir si vous voulez. Michael Cordier et Tom Barr avec 1-15-14 de Code Payson. Michael Cordier et Tom Barr, 1 minute 15 seconds, 1-4. C'est le podium assuré pour les Guyonnais qu'on peut applaudir également, Gaëtan et Damien Guyonnais. Là aussi, on a notre petit lot de surprise. Dans l'équipe de France, on retrouve maintenant ce qui était 2e des qualifs, 3e des championnats du monde de classique, champion du monde en 2011. Attention, il y a du lourd, les Allemands, Lars Walter, Johannes Baumann, for the next competitor, Lars Walter, Johannes Baumann, they're on course. Ah oui, c'est des athlètes qui peuvent également bousculer la hiérarchie, en tout cas en place actuellement, avant bien sûr l'arrivée du dernier CD, les Français. Ils ont négocié précédemment bien une petite erreur dans le genou pour l'équipage allemand. Combien relancé, là, ils sont en vitesse là. Voilà, le bateau plus maintenant bien sûr. Après l'accord est tendu, on attend le résultat du chrono. Ça va pas mal. Une seconde de retard sur les Guyonnais, toujours avec l'allemand. Dans le virage de Bine. Alors c'est qui passe un finish d'anthologie qui veulent déloger donc Daniel et Sandro Guyonnais. Ce qui serait une seconde, on a vu, hein, c'est cher à récupérer. La fin de parcours malgré le talent de Walter Egoman. Mais une seconde, c'est déjà lourd. Hein. Allez, dans quelques instants, attention pour l'arrivée. Je vous rappelle, 1-13-97 à battre le temps des Frangins Guyonnais. Pour le moment, ils sont en 1-13. 1-14, ils sont bien. 1-14-77. Et la 3e place pour Lars Walter, Johannes Baumann. Un équipage français sera champion du monde en C2 aujourd'hui. C'est sûr, puisque les derniers à partir ne sont autres que Yann Claude-Pierre, Guillaume Alzingre, champion du monde de classique en C2, et les Guyonnais sont devant. Alors on enflamme l'hiver, s'il vous plaît. Yann Lévis, on relâche, c'est le même temps de lui. Le champion, Yann Claude-Pierre, Guillaume Alzingre.
Alguen. Et ça, c'est le joueur du starter. Jean-Claude Pierre et Guillaume Alzingre, ils sont là, ils sont partis. Ils sont partis. Allez, ils pouvaient porter jusqu'à la ligne d'arrivée. Guillaume Alzingre et Jean-Claude Pierre, parfaitement négocié. Le Pierre, difficulté pour quel passage. Quel passage. Magnifique passage. Allez, ils ont fait un petit peu de allez, ça y est, Nicolas Pierre, Guillaume Alzingre, on en tape le lien, plus fort, plus fort, plus fort. Oh, c'est joli. Quelle précision incroyable. Donc on fait le passage de Marco Cousin avec des choses exceptionnelles pour une très avance à mon grand standard, ça va être dur pour les Guyanais, mais en tous les cas, les Guyanais, ça sera une première grosse grosse médaille lors d'un grand début international. Peut-être que vous pour Yann Copierre et Guillaume Adjouane de l'attention. C'est un décor, une 13-97 à battre, une 13-97. Pour tous les Guyanais champions du monde, Yann Copierre, Guillaume Adjouane. Et là, vous pouvez lever les bras, vous êtes champion du monde, les gars. Vous êtes champion. Vous êtes le retour. Ça va vous arriver peut-être. Allez, une seconde. Ils sont là. Et ils nous font doubler. Je voudrais qu'on applaudisse les deux équipages une nouvelle fois. Pour Yann Copierre, Guillaume Alzingre, Damien Guillaumet et Gaëtan Guillaumet. C'est à vous. Magnifique. Alors, la journée n'est pas terminée. On nous annonçait des orages pour la fin d'après-midi. Donc, on a avancé le timing des courses par équipe cet après-midi. On aura les joueurs à 13h10. Les joueurs partiront à 13h10. Et pour les C1 hommes, courses par équipe, donc cet après-midi, départ à 13h16. On a un petit break là de 40-45 minutes et on compte sur vous pour rester autour du bassin. Que d'émotion! Et je vois juste un petit sourire de Laurent Urbois d'ici. Ah, c'est magique. Bon, à tout à l'heure, un petit peu de musique, c'est parti! 3, 2, 1, come on!